Fils et filles du bon Dieu, Mbolo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce sixième dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, sous le thème « Approche-toi du Seigneur pour recevoir la guérison ». Fils et filles du bon Dieu, oui, en ce dimanche coïncide également à la grande fête de Notre-Dame de Lourdes, 11 février, journée mondiale pour les malades. Fils et filles du bon Dieu, le message de Lourdes, qui est appel à la conversion et à la prière, fait écho à celui de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, qui apporte la guérison, fils et filles du bon Dieu. À la fin de ses apparitions à Bernadette en 1858, Marie se nomme Immaculée Conception, pour souligner que tout en elle est un don de l'amour qu'elle a gratuitement choisi, fils et filles du bon Dieu. Par la voix de l'humble bergère, elle nous invite à prier avec une confiance inlassable, fils et filles du bon Dieu, afin de nous ouvrir comme elle à l'amour qui vient nous sauver, Jésus-Christ. Fils et filles du bon Dieu, les guérisons que le Seigneur accorde aux pèlerins à la prière de sa mère sont le signe de cette volonté de salut. Il s'agit moins d'admirer ces miracles que d'être des témoins fidèles de l'amour qui se révèle parce que le Seigneur agit encore aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Dans les textes d'aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu, d'abord, Lévitique, le chapitre 13, versets 1 à 2, puis 45 à 46, nous voyons que la loi de Moïse, rappelée par la première lecture, cette lecture, n'était pas seule à traiter les lépreux en paria. Maladie contagieuse, la lèpre passait devant les sociétés antiques pour une malédiction qui retranchait ses victimes de tout contact avec autrui, les privant ainsi des soins qui auraient pu les soulager, fils et filles du bon Dieu. En touchant le lépreux qui venait auprès de lui, Jésus enfreint un tabou social et religieux. S'il renverse le mur d'une implacable ségrégation, c'est au nom d'un amour dont nul ne doit être exclu, fils du bon Dieu. De ses disciples, Jésus attend qu'ils brisent les barrières de la peur et du conformisme pour étendre la main vers les frères et sœurs déchirés qui souffrent. Oui, fils et filles du bon Dieu, la loi retranchait le lépreux de la société parce qu'elle le considérait comme un impur devant Dieu et les hommes. Oui, parce que la maladie, notamment la lèpre, véritable maladie diverse de la peau, furoncle, etc., apparaissait aux Hébreux comme une sanction du péché. Le malade était déclaré impur. Son cas relevait donc du prêtre chargé à la fois de constater la gravité de son état, de le déclarer impur, de l'isoler de ses semblables. Et s'il y avait guérison, d'offrir prière et sacrifice pour le péché, puis de le réintroduire officiellement dans la communauté humaine, fils et fille du bon Dieu. Ces préoccupations n'avaient pas pour seul but d'éviter la contagion physique de la maladie, mais aussi de mettre à part le pécheur, réputé contagieux pour la pureté du peuple élu par le Dieu saint. Fils et filles du bon Dieu, cette lecture est destinée à éclairer la portée de la guérison par Jésus-Christ des lépreux. C'est l'évangile d'aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Notre société a tendance à marginaliser bien des gens, à exclure bien des gens. Les chômeurs de longue durée, ils sont exclus de nos familles, fils et filles du bon Dieu. On ne les écoute plus. Parce que tu es né, parce que tu ne travailles pas beaucoup des années. Dès qu'il y a un problème, on attend même le Benjamin qui est à Libreville pour venir résoudre le problème parce qu'il a des moyens. Toi qui as parfois la parole, la sagesse en toi, mais tu ne vaux rien. Tu es exclu de la société. Mais est-ce que la maladie, le malade atteint du VIH, sida, exclu de nos sociétés, fils et filles du bon Dieu, exclu des familles. Oui, les délinquants dans nos maisons, ils sont exclus, marginalisés. Les immigrés,
Oh, comment travailler à leur réintégration dans la société? Comment les aider à changer, fils et filles du bon Dieu? Comment les aider? Comment les embrasser dans notre famille, dans nos différentes familles, fils et filles du bon Dieu? Ils sont malades, ils sont exclus, doublement malades, fils et filles du bon Dieu. C'est la conscience humaine qui doit être réveillée dans nos familles. Et cette conscience, Jésus-Christ va la purifier. Voilà pourquoi il nous emmène à ouvrir notre cœur, à recevoir ceux-là qui sont rejetés dans nos sociétés d'aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. La deuxième lecture, 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 31 jusqu'au chapitre 11, verset 1. Travailler à la gloire de Dieu. C'est pour Paul ne pas chercher son intérêt personnel, mais celui des autres, celui de Dieu, fils et fille du bon Dieu. Paul affirme aujourd'hui, ici, la liberté du chrétien. Il peut user de tout, se libérer de tout préjugé, s'il le fait dans la joie d'un cœur qui rend grâce à Dieu, pour la gloire de Dieu, fils et fille du bon Dieu. Tout ce que tu fais dans le quotidien de ta vie, fais pour la gloire de Dieu. Pour que le nom de Dieu soit toujours élevé, fils et filles du bon Dieu. Paul maintient aussi que la charité passe avant tout. Si mon comportement risque d'entraîner mes frères et sœurs à pécher, je dois librement et par amour mettre à une limite à la liberté absolue acquise en Jésus-Christ. Ce n'est pas une situation toujours facile, fils et filles du bon Dieu. Mais Paul a observé ce principe, imitant en cela Jésus-Christ, fils et filles du bon Dieu. Oui, ne cherchons pas nos intérêts égoïsmes personnels, mais les intérêts de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés, fils et filles du bon Dieu. C'est que dès que tu as reçu une grâce, ce n'est pas pour les intérêts personnels, pour faire le ngouda-ngouda, moi c'est moi. Non, c'est pour la gloire de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Inscris-toi sur ce chemin. L'évangile d'aujourd'hui, Marc le chapitre 1, verset 40 à 45. « Je le veux, sois purifié, nous dit le Seigneur. Je le veux, sois guéri, dit le Seigneur aujourd'hui. Je le veux, reçois cette grâce. » Oui, dit Jésus aux lépreux. De quoi chacun de nous a-t-il besoin d'être purifié aujourd'hui? On doit être purifié du Congo-Sa. On doit être purifié du mauvais regard sur les autres. On doit être purifié de l'esprit de division dans des familles. On doit être purifié du mensonge. On doit être purifié de la corruption. Oui, fils et filles du bon Dieu, il y a encore la lèpre aujourd'hui. La lèpre de la purification de nos consciences. Nos consciences sont parfois formatées et on ne veut pas faire évoluer. Le développement de l'Afrique passera par le développement des mentalités, fils et filles du bon Dieu, au niveau mental. Comment parler du développement d'un pays où nos mentalités sont encore sous-développées, fils et filles du bon Dieu? Ayant la mentalité des vainqueurs, ayant la mentalité purifiée par le Seigneur lui-même, fils et filles du bon Dieu. Jésus, lui, fils et filles du bon Dieu, n'hésite pas à toucher le malade et à contracter l'impureté légale qui s'attachait à ce geste. Oui, fils et filles du bon Dieu, Jésus ne vient-il pas prendre sur lui les péchés du monde? Mais parce qu'il a foi en la bonté et la puissance de Jésus, ce lépreux est guéri et restauré dans la communion avec Dieu. Fils et filles du bon Dieu, le Seigneur est venu pour guérir chacun de nous de nos lèpres. Essaie d'identifier les lèpres dans ta vie à travers ton comportement afin que tu sois purifié par le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Jésus est venu pour chacun de nous. Il veut restaurer notre vie. Ainsi guéri, ce lépreux va pouvoir recevoir du prêtre la confirmation de sa réintégration dans la société. Parce que le Seigneur veut, à travers les prêtres, les hommes de Dieu, te réintégrer. Te réintégrer, c'est-à-dire après avoir reçu la restauration de ta vie, le Seigneur veut te réintégrer dans la société pour vivre dans sa paix. Oui, Jésus ne vient-il pas susciter parmi les hommes et les femmes une fraternité qui ne connaîtra ni paria, ni exclu dans notre monde d'aujourd'hui? Fils et fille du bon Dieu, oui, comment ce lépreux guéri pourrait-il ne pas porter témoignage près des autorités religieuses et de la foule que le Messie est là? Le Messie continue encore ses œuvres dans nos vies, fils et fille du bon Dieu. Oui, devant toi, Jésus, je suis ce lépreux. Nous sommes tous ces lépreux pour qui tu as le cœur remué de tendresse
que tu veux toucher dans le sacrement de la réconciliation, réintégrer ainsi dans la communion de l'Église et envoyer, renouveler, porter témoignage à ses frères, à ses sœurs. C'est ce que le Seigneur veut en chacun de nous. Voilà pourquoi il veut te purifier. Il veut purifier chacun de nous. À nous d'ouvrir notre cœur pour recevoir cette grâce. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diestounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Sainte journée. Bon week-end, sainte semaine à tout un chacun de vous. N'oublions pas, kipé yayo, c'est-à-dire occupe-toi de tes affaires et tokos à tout le monde qui toko ponabino banso, c'est-à-dire la bonté, la joie, la grâce, la bénédiction pour tout un chacun de vous. Merci Seigneur.